Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous emmène en concours, un bloc concours comme vous les aimez. Cette fois-ci, c'est au Mans pour le Jump Hardcore qu'on part 3 jours. Donc aujourd'hui, on est jeudi du coup. Départ tout à l'heure cet après-midi des écuries pour aller installer du net. Vous êtes un petit peu plus nombreux tous les jours sur la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. Donc continuez à vous abonner, franchement ça me fait très chaud au cœur. Allez c'est parti, on finit de préparer les affaires et on y va. Bon, c'est le bordel. Ça, c'est le tapis que je n'emmène pas. Ça, c'est ce que j'emmène. Et il manque juste le rose que je vais aller chercher parce qu'il sort de la machine à laver. Il est là, le petit rose. Et j'ai reçu le protège-queue. Kintuki. Je vais pouvoir le tester. Ça, c'est archi cool. C'est bon, on est au complet. Il n'y a plus qu'à fermer le stock à tapis. Qui est plein de poils d'ailleurs. Il est pas trop mignon ce petit sac là, avec le dessin de Cédro. Je l'ai fait faire sur Vistaprint. Ça y est, c'est chargé. Il n'y a plus qu'à y aller. Il est 11h20, du coup on décolle direction les écuries. Il faut encore que je passe récupérer un truc au magasin. Et du rescue à la pharmacie, parce que j'ai deux bouteilles, mais je n'en trouve plus aucune des deux. On vient d'arriver aux écuries, je me suis garée devant le vent. Mais avant, on va manger. T'as emmené 7 tapis. J'ai emmené 7 tapis parce que j'ai pas réussi à prendre de décision. Putain, même voilà. Moi je me suis sacrifiée quand j'en ai emmené que 3. Bah moi du coup 7. Avec des choux. Hein? Bruit chaud poulet. La vie. Allez, c'est parti, Mattel. Les grains, c'est fait. On va aller voir Dinette. Coucou. Il est propre. Oh là là. Mmh. Regarde. Mmh. Une petite banane. Mmh. Bon, j'ai commencé à charger la malle et les petits protecs. Franchement, il y a grave de la place. Trop pratique. Bah, fais-toi respecter un peu aussi. Je vais la monter un petit peu sur le plat ici, comme ça au moins ça sera fait et elle sera plus à l'aise, moins stressée ici que là-bas. Voilà.
Bibi, la dinette. On fire. Ouais, c'était bien là. Ouais, répondez à la. Une petite fraise pour des nettes. Merci Julie. Bah, vas-y. En fait, j'en ai plein. Like in the bag. Alors ça, je sais pas s'il y a une technique. Like dans le sac. Bon, ça a l'air de bien fonctionner comme ça. Hop. Tu vas pas changer. Pas de caca dans la queue. Bon bah ça y est. La petite malle est remplie. Franchement, on a grave de la place. J'ai mis tous les produits de soins là, les guêtres là et d'autres trucs là. Il y a encore de la place, la selle, tout. Nickel. Nickel. Putain, franchement, ça c'est de l'optimisation, les gars. Petit sac à foin, petite malle, il n'y a plus qu'à monter le poney. Chercher Clara et sa petite ponette qu'on emmène avec nous et après direction le monde. Trop mignonne. Doucette et Dunette. Oh, elles sont copines. Mais oui. Et c'est parti, deuxième partie du voyage. Direction le Mans. 1h58. Peut-on dire avec le vent 2h10. Dunette et Doucette sont chargées. Bon, on est bientôt arrivé. Il nous reste une borne. On a fait un petit crochet par le Super U histoire de prendre des petits chips et des petites bières. La pression d'avoir oublié un truc, mais ça, de toute façon, je pense que tout le monde est un petit peu comme ça, et voilà. Et en général, quand t'as l'impression d'oublier un truc, c'est que t'as rien oublié. Croisons les doigts. Donc là, le programme, on va trouver le parking des vents, aller pailler le box, parce que j'ai pas pris box paillé, et puis bah, après, descendre du net et Doucette, et puis voilà.
Maintenant, il faut trouver le parking. Alors, je pense que c'est là-bas. Tout droit. Dans la logique. Et après, on remonte l'autre temps. Ah bah, il y a des bouchons. C'est génial. Il y a trop de monde qui arrive en même temps. Bon bah, il va falloir attendre. Ta-da. À passer le péage. On se dirige vers les bornes, c'est le parking. À l'arrache, on n'a pas de fourche. Ça va, la paillasse s'étale bien. Mon palo perso. Ah non, mais c'est l'enfer. Ça vole partout. Je vois même pas la paille dans les chaussettes après. Oh là, sans fourche. Va chercher du net. C'est laquelle, la mienne? D'une. D'une ou la seconde? Elle est trop courte. Non, mais en plus, le point, c'est qu'elle a deux points sur moi. Installation de la tenture. Dinette, ça a l'air d'aller. L'eau, c'est fait. Et voilà, Dinette est bien installée. La malle, parfaite. T'as pas à manger? Tu t'emballes, hein? Dune, elle s'en fout. Tu vas encore la casser. Ce périple de ouf, on vient de garer le van et la voiture et du coup on va aller commander le foin et récupérer, ben non, récupérer les clés de la chambre. Non, ils nous ont appelé pour les clés de la chambre et du coup elles sont directement dans la chambre, donc ça c'est cool. Et après on va aller se poser un peu, boire un petit coup et puis prendre l'apéro quoi. Ça c'est Quentin, Margot et Aurore. Ah ouais. Tu m'as rien dit. Franchement, bravo. Ouais, mais le toit, j'avais fait mon tableau et tout. Mais là, j'avais pas trop peur. Bravo, Virginie. Heureusement que t'es là. Hein. Cette fois-ci, on a trouvé la chambre du premier coup. C'est F, le dernier vlog au Mans où on avait galéré de ouf. Mais là, c'est juste là. Bon bah, ce qui est cool, ah bah merde, c'est qu'on est au rez-de-chaussée. Et cette fois, on n'a pas la chambre en mode Marie-Antoinette. On a la chambre verte. T'es content? J'étais content. De la galère. Franchement, on est nom de rue au moins. Première journée complète au Mans Harcourt. On est vendredi. J'ai mon épreuve à 12h30. J'arrive pas à retenir. Je sais pas pourquoi là. C'est d'habitude je retiens tout. Je sais pas, là c'est impossible. J'ai l'impression que tous les jours je passe à peu près aux mêmes heures et du coup impossible pour moi de retenir.
Bref, c'est la vitesse 1m15, piste rouge, et j'ai le numéro 26. Ouais. Donc j'ai 26 aujourd'hui, le 1 demain et le 36 dimanche. On finit là de se préparer et on va aller nourrir Dune et regarder les autres en attendant du coup que j'ai Marco. J'ai mis le polo manche courte Aloïs rose et le pantalon Sam Shield Adèle et les chaussettes roses Sam Shield holographique. Du coup, je vais mettre logiquement le tapis Velvet Pearl Rose et je pense mettre les guêtres roses et le bonnet noir. À mon avis, ça fera mon petit mix. Ça y est, on est parti en mode expédition quoi. On va à pied rejoindre le concours. Bon, ça va, c'est pas très très loin donc elle dit fait, mais bon, on est motivé quoi. Doudou! Coucou! T'as bien dodo? Visiblement oui. Tu vas manger, hein? À table. On va te mettre un petit carré de foin. C'est pas pratique. Voilà. Bon, évidemment, j'avais vérifié qu'on avait tout pris et rien oublié pour éviter de se taper un aller-retour bêtement. Tu penses bien que j'ai oublié mes tapis? Putain, on a le bol. Fatigue. Et voilà. Je crois que le pire c'est que c'était sous mes yeux quoi. Genre ils sont dans un sac à tapis et j'ai pris ma bombe et mes bottes qui étaient dessus. Franchement, n'importe quoi. Du coup le rose. Le rose. Bah on va commencer à brosser la bête. Coucou. Et l'Arco est à midi, il est 11h45. Du coup, il s'en fout de nous. Et du coup, voilà, donc je vais brosser, mettre les protèques et. Elle va en profiter, elle va en profiter. D'ailleurs, oui, ou au milieu du double, comme tu veux. Voilà. Derrière. Derrière, là. Attends. Même dans une droite, là. Même dans l'extérieur. Il faut bien aller chercher surtout la deuxième barre d'obstacle qui est là-bas. C'est pour ça que normal, mais il faut bien que tu aies une bonne distance sur le droit pour juste continuer. C'est bien, je la connais. Hein. Comment tu vas être loin hein, pour la deuxième course. Oui. Il y a 7 fouilles dans le dessin, mais bon. Il n'y a pas trop de distance. Et surtout l'important, c'est bien les 5 fouilles là-bas dans la montée. Oui, oui. Ouais. Sauter le 2 bien avec ta jambe extérieure pour chercher le vertical. Bien l'année dernière, là, celle-ci. Il y a 2 ans avec Folie. Ouais. Il y a pour le cigare, je sais pas, ma supérieure qui fort en avant, ils vont faire 7 fouilles. Toi, tu vas faire 8 fouilles, c'est les mieux pour toi. Il y a 8 un petit peu un peu serré comme ça. C'est juste sur sa qualité qui est très respectueuse. Oui. Le tracé. Pas partir de là. Ah ouais. Ah, plutôt faire un petit peu comme ça. Ouais, un bon saut, se redresser. C'est bien que tu fais un bon saut. Tu peux faire ça. Tu vas préparer tranquillement, tant qu'elle marche, tout ça. Je vais me refaire un coup. On va te refaire un coup. Hein. Les observes. C'est genre bien carré. Tout ce qu'on aime. Ah oui, c'est
Mais attends, bébé, ouais. C'est un tabouret. C'est la version, je connais. Et on reste à 4, 71 secondes, 84 centièmes pour 27 départs avec Isabelle qui est... Que quand je la monte comme ça, je la mérite pas du tout parce qu'elle m'a sauvé toute la... Enfin, elle m'a sauvé la vie sur la moitié du parcours et moi, je suis de la merde. Après, on fait que 4 points, mais ça se passe que là, je... Enfin, j'ai envie de dire que oui, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle qu'on fait que 4 points parce que franchement, si elle avait pas cette qualité-là, c'est vrai, on a beaucoup plus de points vu comme je les monte aujourd'hui. Mais bon, bah, c'est pas grave, hein. On va faire mieux demain. Voilà, je suis désolée. Elle n'est pas au bout de son cours, pas espérer la lune non plus. Et c'est la meilleure. Tu vas aller au box, va t'en rouler. Alors attends. Oh bon non, moi ça me veut pas, j'ai dit ah ouais bah... Ah si parce que moi je te posais la gueule. Allez. Toi tu vas rentrer au bac et nous on va aller manger. Allez go. Là on ne peut pas s'empêcher. Deux. T'as attrapé un petit bout de foin. Bah oui. Au passage, pardon. Doudou. Regarde. En plus elle est bien mûre. Une bonne naine. Parce que tu l'as bien mérité, hein, quand même. Bien, allez, sur ce. Bana. C'est l'heure du coup de faire les petits soins des lunettes. Donc au programme massage avec le gel aux algues. Et après j'irai chercher la massante pour lui mettre et on va l'emmener un petit peu brouter.
Bon, du coup, go nourrir. Et après, on va tous ensemble au resto. Je remets les protèques, je nourris. Et puis, bah, on va se préparer. Le petit électrolyte, ce que vous avez gagné. C'est ici, le voyant. Pousse là. Vas-y, pousse là. Pousse-toi. Voilà. Hop. Pousse. Mets-le. Et là, c'est bon. Tu le sens ? Non. Ok. Allez ! Santé ! Chin chin ! Bon, les enfants, bonne chance ! Pour demain, ouais.